Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rejoindre sur Channel Panou. On t'a déposé, je dis à nous porter un pile information pour nous. Un point que nous pourrons développer pour nous, c'est concernant Sami Andal. Un monde qui t'a participé dans le complot pour tout Jovenel Moïse là, qui t'a joué une arrestation dans le pays la Turquie, t'a paré devant le tribunal turc. Je dis à vous pourrons saisir tant de saleté. La police mettait la patte sur un taureau, je dis à vous accuser comme gros volet machine. Nous parlons plus de détails, talent. Et enfin, nous allons parler concernant Pierre Espérance qui fait gros révélation sur juge Gary Aurélien. Pierre Espérance fait qu'on est juge ça, tu prends l'argent, non mais en pile monde pour qu'a blanchi yo dans dossier Jovenel Moïse là. Plus de détails, c'est pour talent comme ça. Enfin, comme d'habitude, nous toujours prenons du temps pour nous remercier nous toutes qui toujours regardent les vidéos. Merci pour ça. Pas oublier de liker la vidéo, partager la vidéo, ça, bah une famille, bah une amie, comme ça nous capable d'aider nous grandir. Channel ça, tant de causes. Si c'est la première fois que vous tombez sur Channel ça, pas oublier abonner. Puis abonner, comme ça nous capable d'aider nous dans l'objectif que nous gagnons pour nous arriver à 100 000 abonnés. Pendant année ça, oui, nous voulons arriver à 100 000 abonnés. Top 1, abonnés. Mes amis, on nous commence avec information. Sami Andal qui te fait une arrestation dans le pays de la Turquie et le pays a demandé à Haïti quelques documents pour être capable d'extrader. Eh bien, le processus d'extradition a continué. Dans ce sens, Sami Andal te paraît devant la justice turque. Avocat là, qui c'est un turc. Bail la justice yon pinga pour yon pas voyer Sami Andal dans le pays d'Haïti. Li fait quoi? Prison dans le pays d'Haïti pas gen rien à ouais ak respecter droit moun. Comme preuve, li vini avec rapport ONI te sorti sous situation prisonnier yo à vivre dans le pays d'Haïti. Et tout li parle concernant déclaration colombien qui nan prison ici dans le pays d'Haïti fait. Avocat Sami Andal là, t'allé plus loin pour le faire comprendre selon un rapport ONI prisonnier dans le pays d'Haïti pas même gain droit à la santé. Donc, nous capable remarquer mes amis, avocat Sami Andal là t'est accentué en pile sous question droit monde. Il fait qu'on est droit prisonnier qui dans prison dans le pays d'Haïti pas respecté. Sami Andal bon côté parle, te fait qu'on li pa gen anyen a wè ak assassinat Jovenel Moïse la. Li avance pour di, le yo te touye Jovenel Moïse la, li pa même en Haïti. Et puis li di, se États-Unis li te sorti, anvan yo te arrêté la Turquie. Donc, si te nan complot Jovenel la, yo tap mette men sou li depuis avant ça. Ça c'est déclaration que Sami Andal lui-même li fait concernant assassinat Jovenel Moïse là concernant tandis que la justice tique lui-même li tap tande dans dossier ça. Bon pour qu'on y a dossier ça, yo mette Sami Andal en prison et bien en avril par une autre séance côté que yo pral tande pour capable ouais qui ça que y a fait ensemble avec et Sami Andal si avoué en Haïti ou non. Mais une chose que nous capable noter c'est que document d'extradition que Haïti te voye a yo annexé dans dossier Sami Andal pendant que il a tiki là. Ça veut dire qu'il y a bonne chance pour yo voyer monsieur dans pays d'Haïti. En tout cas, n'a suivre dossier ça. Et puis tout nous avons information concernant Rudolja, monsieur ça. Je nous connais ça, yo t'ai arrêté République Dominicaine et puis il était extradé dans le pays des États-Unis et bien il vient pour paraître devant la justice demain. Ça veut dire demain jeudi 20 janvier 2022 il vient pour paraître devant la justice pour lui répondre question la justice américaine. En tout cas mes amis, n'attend n'a suivre quelque soit ça sorti depuis les publics pas oublier ou gagner sous tant de causes. C'est peut-être ça m'a demandé nous pas oublier abonner. Activez notification, gardez si nous avons notification pour l'activer, activez parce que quel que soit ça nous l'a dit, pour ça, YouTube a pas voué. La police qui veut mettre la patte sur un volet machine. Monsieur ça, ça fait longtemps depuis qu'il a cherché, et bien la police lui-même, lui veut mettre la patte sur lui. Monsieur ça, il est Aza René. Jeudi, mercredi 19 janvier 2022, et bien la police qui veut mettre la patte sur tout ça dans la zone. Tabac. Yo accusé j'en nous dire comme quoi que monsieur dit t'a volé machine non seulement li volé machine ça yo mais tout li falsifié moteur machine ça yo
eh bien la police rive mette men nan patka sa vle. Lorsque yo te arrêté là, il était sous un Nissan Patrol noir. Pou kounye a, li nan men DCPJ, li nan garde à vue. Pierre Espérance qui est responsable RNDDH fait gros déclaration sur juge Aurélien. Juge ça, selon lui, t'apprend l'argent dans mes plusieurs monde pour ta blanchi yo dans dossier Jovenel Moïse là. En tout cas, bonne fête nous tendez Pierre Espérance qui t'a parlé dans micro Magique 9. Pendant ce temps, qui t'en commenté pour nous dire nous ça nous penser. Est-ce que c'est vrai juge là lui-même il fait ça ou non, ou bien est-ce que c'est Pierre Espérance qui a baillé menti? En tout cas, m'attend un commentaire. Demander pour quitter dossier, ça veut dire que là pour nous ordonnance pour dire quitter dossier, mais pas dossier traité comme ça, il saisi. Okay. Et donc c'est saisissement, capable de c'est nous-mêmes qui et judiciaire bio et qui porte qui gagne problème qui saisit et dans sens ça parce que tout justiciable que c'est monde qui concerné et pas dossier monde qui dans prison à tort ou à raison ou bien monde qui au décès des mandats et contre tout et yo gen problème yo gen problème yo saisi yo pas comprendre et ça qui a passé et dans dossier par rapport avec tout mouvement et l'argent ça. Alors, doyen dit c'est image et justice à et sale dans ce sens-là. Et puis, bon, ça me capable de dire, et ça passe là, et doyen, ordonnance doyen, et me capable de dire, c'est pour son bagage qui arrivera, oui, dans le système, non, mais par contre, on va arriver presque, ouais. Et donc c'est pour montrer que situation li grave et scandale ça li tellement arrivé non niveau côté que bon et me pensais que juge et au niveau et dans association magistrat ou bien mais qui moi capituler pour deux petites questions mais bon me dit réponse coûte en 30 secondes est-ce que mon gars une sensation que qualité gros ces dossiers ça gagne des temps qui perdu et gaspillé la donne monsieur Espérance bon et premier bail n'a dit alors c'est c'est mon premier juge qui a été désigné sur le dossier, il n'a pas accepté, il vient de mon deuxième, il vient de mon problème, et pas, bon, c'est ton autre juge qui est chargé, et puis il vient de choisir Aurélien. L'air choisi Aurélien, nous-mêmes dans RNDDH, nous sommes étonnés, et nous avons fait, nous avons exprimé réserve nous, que nous gagnons sur le choix ça, les distribués au dossier à Aurélien, qui sont juges en 2020. Yo CSPJ a été recommandé pour venir juge des sièges et puis mon coup de malta et qui fait bon côté exécutif a quitté la de ça administration Jovenel là yo tout mettait le juge d'instruction mais CSPJ pas de droit pour juge d'instruction et ni pas de traiter des gros dossiers ni pas de gain suffisamment ni pas de gain expérience pour son dossier comme ça qui n'amène et donc c'était un choix pour nous-mêmes qui était et orienté et moun yo peut-être yo te pensé que yo gen contrôle jiga moun ki te bali yo yo te ka faire salver avec. OK, moi comprendre. Maintenant, on deuxième point et doyen dit instruction a continuer. Est-ce que prochain juge y a pour désigner a tenu par les actes d'instruction déjà posés par le juge Aurélien dans le cadre de ce dossier ou pas? Non, pas forcément. Okay. Li capable tenir compte de quelques et actes qu'elle posait les gens doivent ignorer tout ouais les gens doivent par exemple et tout le monde que yo t'étendait déjà et par et soit monde qui était en prison ou bien monde qui était un mandat et à partir de gens garder dossier li du rapport les gens doivent faire de l'autre bagaille ouais il pas qu'on nous tendez qui ça Edouard dit qui fait les retirer dossier non mais juge Aurélien au niveau de RNDDH qui dossier de ce juge là qui ça nous reproche juge là juge Aurélien bon à la vérité officiellement
c'est ça doyen dit, mais c'est pour ça il retirer et dossier dans mes juges là, ça et doyen reprocher juge là, ça c'est ce j'ai reprocher juge là, pression doyen gain tout et bon côté et association magistrat yo et CSPJ a pour le fond bagaille, c'est ça nous dit et dans lettre là que nous voyons par CSPJ. Naturellement doyen pas capable et dit yo li pas gain droit dit yo et publiquement li vini avec de l'autre bagaille. Par exemple les doyens nous consacre et il te gain 3 mois pour li pour l'instruire dossier et que dernier après le dépasser, etc. Il y a des juges qui font 4, 5 ans, 3 ans, 2 ans avec dossier dans le meilleur, par exemple, l'ordonnance. Et ici, par exemple, en général, et ordonnance dans 3 mois ni dans 6 mois. Ouais. Mm-hmm. Et c'est pour la même raison, c'est ça nous dit dans l'aide. Et doyen qu'on a ni, et CSPJ qu'on a ni, association magistrat qu'on a ni, CSPJ a rencontré avec doyen. Yo te râlé les oreilles sur ça et déjà pour qui ça c'est juste ça que bah et dossier et doyen dit doyen te répond yo depuis nous et non mais on juge non mais et non et même yo capable bah juge n'importe dossier mais doyen te au courant et il connaît tout scandale et qui gagne autour et des dossiers et tout ça ouais nous dit dans lettre nous yo et doyen connaît yo et CSPJ a connu tout le monde et tout le monde. Est-ce que son façon en douce pour retirer M. Aurélien dans le dossier ça, si vous comprenez bien ma histoire? Oui, son façon pour retirer lui, parce que enquête là, pas de instruction qui a mené, et pas de sérénité, et j'ai la gaspillé, soit pour gaspiller le dossier. Moi-même, m'a posé peut-être une question, est-ce que j'ai la même li rapport et c'est de CPJA, est-ce que j'ai la même gardé okay. Et dossier qui l'amène ou pas sûr de ça dans rapport RNDDH fait parallèlement à l'aide ça côté ou bah des détails et ou fait d'autres affirmations RNDDH fait d'autres affirmations nous te dit que greffier t'a marché faire extorsion et sous nom Élysée greffier Élysée t'a marché faire extorsion sous nom juge là c'est vrai bah ça monsieur Espérance ou pas oui nous est greffier nous venons dans la Bible, nous les confirmons avec nous. Et nous écrivons la lettre, il dit que ce n'est pas de machine qui demande de mettre sous nom, son machine qui demande de prêter. Vous regardez? Oui. Et il va de prêter. Ça veut dire qu'on montre que ou bon mandat et contre lui, on peut attendre lui. Et puis, alors il dit, vous attendez, Jésus-là, qu'on est là, ou mandez mon nom et vous prêtez aux machines. Bon. Alors, c'est ça l'idée. Ok, où dit dans l'être là, où dit dans l'être là, alors oui. Que DCPJ t'a mené enquête li, ou enquête partielle sur le monde qui est indexé dans le dossier, juge Aurélien, oui. Dès que l'y rentre en possession de dossier, il commence à rentrer en contact avec le monde qui est impliqué et lui demande oui. L'argent, $50,000. Ah, ok, mais ça me l'a dit. Où songe pendant DCPJ a mené enquête li avant l'été? Voyez le premier rapport partiel li bay commissaire gouvernement et commissaire gouvernement qui était là dans l'époque là il était commencé mettre en série de mandats et contre une série de monde et puis mettait interdiction de départ qu'il y a même monde ça yo et ça j'ai la fait et pour il tant de monde ça yo et ben il mandé mon yo pour pipiti et il mandé jusqu'à $50,000 mais ça m'a dit là c'est pas pour nous comme si c'est lui mais non c'est des monde qui est disponible pour parler avec et CSPJ oui et c'est ça que nous dit dans le document nous à la disposition CSPJ ça veut dire que depuis CSPJ a ouvert enquête et n'a fait le chita avec et il y a des monde qui est disponible monde qui déjà ba juge la comme et monde juge la demande l'argent est disponible pour parler avec CSPJ comme si juge la mandé monde l'argent monsieur Espérance d'après ça dit là. Oui, mais il prend en rien pile monde déjà tout. Oui, parce que dans l'état, on dit, gagne yon ancien directeur général de la police qui baille 2 millions de goudes à juge là pour que juge là tende. Et on dit, juge là tende 16 décembre 2021. Oui. Dans la période ça. Ou pas citer non, mais dans la période ça, c'est Léon Charles, nous connaissons qui te prétendait. Non, mais moi, et c'est ça que moi,
nous pas voulez citer yon nom dans document alors que gen des noms non pas moun yo pas yo voulez collaborer avec CSPJ mais yo dit et nous pas besoin citer non yo mais yo disponible et même ancien directeur général de la police ça l'est là les na cabinet juge pour juge attendre lui na cabinet d'instruction et il était 53 policiers et là et avec lui et puis et cette machine et lui il était encerclé et cabinet juge là il va dire dans non et c'est pas ça ouais et ça veut dire quoi que et mon nan te payé ancien directeur mais et li te guérimer cap sikile que juge l'a pas arrêté le quand même ouais apparaît ancien directeur général là oui l'a pas arrêté le quand même okay. Donc c'est ça fait où il était allé avec tout policier ça yo. maintenant de, oui allez-y s'il vous plaît gain de l'autre monde tout et pasteur fidèle et autorité et pas autorité non et personnalité connue et que juge l'a mandé jusqu'à $50,000 et américain pour étendre. C'est des gens qui ont mandat et contre à tort ou à raison. Bon, l'autre 2 millions de gouttes, ou dit son personnalité qui connaît dans la société, qui baille 2 millions, qui baille juge là 2 millions de gouttes. Qui personnalité ça? Oui. Ou pas cité non? Oui. Personnalité ça, c'est son monde qui paye pour lui. Ou pas cité non? Ou personnalité politique? Ou personnalité, oui, connu, oui. Il semble le politique. Oui. Et ou pas cité non? Et il n'y a pas cité non? Dans le document parce que j'aimerais d'où et mon yon disponible. Yon disponible pour y avouer que yon te baye et Gary Aurélien Kob. Et disponible pour parler, pour avouer que yon te assez léo pour avouer pour payer Kob. Par exemple, dans quatre policiers, oui. yon libéré yon. Et, nous songez ça? Et yon trois là-dedans, yon trois. Et policier que juge a été arrêté jour 25 et septembre 2021 l'il était convoqué Vladimir par raison dans cabinet et gayon na policier ça yo qu'elle libéré et c'est marathon qui fait pour payer $25,000 américains ça mieux oui pour lui pour payer qui est pour payer Juge Aurélien. Oui. Bon. Mais son là qui a fait. Qui te demande en réaction. Là, Monsieur Léon Charles, et par rapport au rapport NDDH, qui a fait état de contact téléphonique avec Monsieur Badjo, il te font démenti. Et pas de possibilité pour me gagner un commentaire en amont. Vous souhaitez faire un commentaire? Et Léon Charles? Oui. Il n'était pas là Badjo, oui. Il n'était pas là Badjo. Et puis, dans un rapport que nous fait 6 mois après l'assassinat et Jovenel là, nous dit Léon Charles parlait avec Badjo, il parlait avec Solage et comment il est là, Solage et Vincent. OK. Et Mabdou, en guise de commentaire, vous connaissez que depuis environ 15 jours, alors, il m'a dit à fait 15 jours, côté que gon évolution dans le dossier. Qui ça lié? Avec et Palacios qui n'a mis la justice et américaine, Palacios tellement parlé, il y aurait le Palador. Et c'est pas sans raison, l'oué et Rudolf Jarre, qui traversait en République dominicaine dans la première semaine mois janvier, et dit, FBI a commencé et tant d'élit et avant longtemps mais vraiment avant longtemps et la États-Unis naturellement contrairement avec ça a été annoncé et semaine passée et Rudolf Jarre et poco États-Unis toujours en République dominicaine mais et sous contrôle et FBI la traversé aux États-Unis et ben l'a traversé avant longtemps. Et l'a présenté devant le juge, et tout le monde a connu ça avant longtemps, eh bien, et n'a pas commencé à connaître. Nous prenons le connaître. Et j'ai c'est premier monde qui n'a pas mis monde qui finançait l'opération, ça, qui finançait complot, ça, et yo est arrêté.
Mais c'est là qu'elle était en Haïti, les 11 et décembre 2021, il fait une interview avec avec New York Times, et interview ça, il vient passer et il vient faire un article avec lui 10 janvier 2022. Mais ça, tu es sous protection de l'autorité et pas bon ici, c'est là qu'elle était. Deuxièmement, et ou bien John Joel Joseph qui c'est un élément important. Tout ça est reproché et Badjo dans le dossier. Tout ça Badjo connaît et John Joel Joseph connaît. Nous voyons qui gens et autorité la Jamaïque du quitté pays. Et je viens d'amener deux passeports avec deux noms différents. Et que yo bail monsieur après. Et assassinat. Qui est-ce qui a balé? C'est pas moi-même ni moi-même. C'est autorité là-bas ici. On a parlé de John Joel Joseph. Mais américain, la justice américaine est capable d'intéresser tout tendre et John Joel Joseph si on pas commencé tendre. Et dernier bagage m'a dit sur ça, c'est ça qui passé au niveau Congrès américain semaine passée et jeudi qui était 13 janvier 2022. Côté que le Sénat a un projet de loi qui a demandé pour ordonner le département d'État pour faire un rapport dans 90 jours sous violation de droit monde qui fait sous l'administration Jovenel Moïse et massacre dans le quartier défavorisé particulièrement la Saline. Et assassinat de Jovenel Moïse. C'est parti pour la petite, non? Et dans le projet de loi, ça, côté que, parce qu'on était passé dans le député et dans la chambre représentant, et puis, laisse ça, l'aile était faite, il n'y a pas de assassinat de Jovenel Moïse, et qu'on y a, c'est dans moi, ça, et la chambre représentant prend disposition pour voter. Qu'on y est là, dans le projet de loi, ça, il y a demandé pour mobiliser toute instance, toute institution américaine qui a une compétence sur ça pour être capable de mettre rapport ça. C'est ordonné, oui, Congrès a ordonné le département d'État. C'est l'ordre qui est au bail. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes, nous presser et écrit et CSPJA pour rapidement et pour juge à lui-même capable de quitter le dossier hein, et pour mon autre juge qui. Il y a un dossier qui peut mener à l'institution avec sérénité. Maintenant, avec une révélation, monsieur Espérance. Nous n'avons pas quelqu'un qui est dans la prison qui est privé de liberté. Oui, fondable sur vous. Il y a un monde qui a un mandat contre tout. Et à tort ou à raison. Mais il faut que quelqu'un mène avec sérénité. Tout à fait. On finit parce que là, nous arrivons. Oui. Bon, avec toutes les révélations accablantes, ça, RNDDH, qui ça juge Aurélien Risqué là? Parce que. C'est tout ça dit au vrai, pas qu'à Dieu, ça le chita comme ça, et puis ça va. Mais même si le doyen patron ou ordonnance pour demander juge là, pour remettre le dossier, juge là, pas qu'à continuer avec le dossier ça. Mm-hmm. Parce que pas l'institution qui a mené. Et même si nous pas de voir l'être là tout, et par rapport avec ça, nous t'ai dit déjà, non. Et dans le rapport que nous fait sortir 6 janvier 2021, je ne vais pas continuer avec le dossier ça. Parce que Mbappé même dit, il va pas continuer qu'un des dossiers ça dans même à harceler le monde. Parce que Mbappé a besoin de continuer à l'institution parce que pas l'institution. Non mais qui ça c'est SPJ doit faire et révoquer. Non, Mbappé. Écoutez. Nous font l'aide, nous écrit CSPJ, nous dit l'ouvrir en tête. Nous dit nous prêts pour nous collaborer parce que Mounio, Moun qui nous rencontrer, qui parlait avec nous et qui est disposé à parler avec CSPJ. C'est CSPJ qui ouvre l'enquête. Après, l'Elfini joigne, ça joigne, la prend décision pour le prendre. Mais ça, il est capable de faire qu'on est là. Ça, il est capable de faire. C'est prendre disposition et prendre mesure qui en dit ça et on sanction administrative et contre juge là à côté que il est capable et mettre juge là sous côté en attendant qu'elle là est fini
et côté que Jiza n'est pas capable de dossier la même. Dernière question, Jean-Daniel Sénat. Est-ce qu'on a information sur un homme qui a été arrêté dans le cadre de dossier ça qui a attrapé le coronavirus dans la prison? Qui? Parlez plus fort. Non, est-ce qu'on a information sur un homme qui a été arrêté dans le dossier ça qui a attrapé le coronavirus dans la prison actuellement? Qui entre qui bon? Il y a un homme qui est emprisonné dans le dossier assassinat président. Il y a une information qui a comprendre qu'il est infecté par COVID-19. Ou ça comme information? Oui. Il y a un collègue qui a parlé sur ça. Et je pense que vous allez dans la prison hier. Je ne sais pas si c'est hier ou bien aujourd'hui. Mais nous songeons, il y a un élément qui est important dans le dossier. Dragon, c'est un monde qui peut collaborer avec la police judiciaire dans le cadre de dossier ça. Et qui gagne même degré de responsabilité, qui compte même et qui gagne même degré de responsabilité avec et John Joel Joseph et Badjo, n'a pas parlé des dragons, eh bien, il mourit dans conditions drôles. Mais vraiment dans conditions drôles okay. En prison. Maintenant, dernière question maintenant. Bah, on est non, mais deux passeports, bah, un seul individu, c'est même empreinte, c'est même données biométriques. Comment ça fait possible? Première question. Et deuxième question, et à partir de qui date vous avez délivré de passeport ça au bail ancien sénateur John Joel Joseph? On connaît ceci avant, mais c'est après assassinat président Moïse. Non, c'est après assassinat. Après? C'est après assassinat. Oui, après. Après, on dit oui? Oui, mais monsieur, qui n'a mis quoi? Ma pas dit dire nous bagaille pour nous comprendre. Tout le monde, qui était dans le qui est. Soyez arrêté. Et Palacios d'abord, Palacios. Palacios, c'est là en Haïti, c'est en octobre qui était pays, oui. John Joe et Joseph étaient dans le pays, c'est en décembre qu'ils ont quitté, oui. Badjo, jusqu'à fin décembre, il était là, beaucoup qu'on est pour janvier. Et Rudolf Jean, et il était là, oui. C'est en janvier qu'il a traversé la République Dominicaine, oui. Qui est-ce, oui? Côté arrêté, qui est-ce qui est-ce? C'est quoi la police a cherché? Pourquoi la police a cherché? Non, non. La police est judiciaire de CPJ. Et il mettait à vie des recherches contre eux. Mais, et l'autre bail pour, et il n'a pas arrêté Mounsayo. Qui y a ça que l'autre là? L'autre dit l'autre bail. Debout dit l'autre, c'est chef qui bail l'autre, M. Espérance. Oui, c'est SPN. Non, non, c'est SPN. Non, c'est qui bail l'autre de la casse de Tibio, la donne. Et non, par exemple, c'est SPN. Il composé. Et c'est le premier ministre qui président dans CSPN. Oui. Après ça, on a un ministre intérieur, un ministre justice, ou un DGPNH avec l'inspecteur général en chef de la police. Exact. Et Kounye là, les par exemple, où est-ce qu'il y a déconnecté, il me dit, et base de données, c'est une institution dont on est, tout ce qu'on est, ça nous dit, ONI, ou AVCT, DGI, l'immigration, il y a déconnecté avec DCPJ, mais c'est l'ordre qui sort dans CSPN. Mais c'est de l'ordre verbal. C'est de l'ordre verbal. Ça veut dire que c'est pas et directeur de CPJ n'a pas qu'à déconnecter, non? Directeur et OAVCT, etc. La police n'a pas qu'à faire pour compter, non? Directeur OAVCT n'a pas fait ça sans paraisser pour instruction, non? Mais attention, hein? C'est pas déconnecté, il n'y a pas déconnecté par donner ça et après assassinat, il fait l'avant assassinat et toute disposition prend pour ne pas reconnecter après assassinat. C'est ça que jusqu'à présent, ni même ou même, à l'exception ou de Jacques qui nous connaît comme un homme qui paye et pour assassinat, premier monde qui prend, mais tout le monde qui paye, nous pouvons connaître. Ok, maintenant, dernière question là. Tu as le New York Times dit c'était drogue et monde qui. Le président a une liste, non, mais lui. Il a une liste, mais qu'on y a une thèse qui dit c'est politique. C'est quoi le mobile de tout ça? Quel serait le mobile? Nous-mêmes, dans RNDDH, nous n'avons pas gagné expérience et expertise pour nous travailler sur question et drogue. Mais ça, je suis capable de dire, si Jovenel Moïse a une liste dans Meni, moi, je pense que. Et si c'est à pour droit, il t'a mis faut que non t'as dans l'histoire tout. Hein? Mes amis, il faut que non t'as dans l'histoire. Pour qui ça dit ça? Même pas. Mais maintenant, imagine écoute, toute nouvelle c'est pas parce que nous avons demandé justice pour Jovenel Moïse et puis qu'on a nous pas fait Jovenel Moïse passer pour Salvatier. Nous pas faire ça, nos sociétés. Alors, je parle de nous, moi-même. Et ou bien l'autre monde qui a parlé de Jovenel Moïse. Il y a une raison. Pour qui ça fait nous demander justice pour Jovenel Moïse? Nous, ces partisans état de droit,
nous contre banalisation la vie moun. Même j'en ai demandé pour mon Figuier d'Orval, pour Marie-Antoinette Duclerc, pour Diego Charles, pour moun yot assassiné dans le quartier défavorisé, etc. Eh bien, ou pas capable comme si là, un président qui a toute sécurité sa yo avec lui, et puis il y aurait comme ça, tout balèze à planifier, et puis pour assassiner lui, et puis pour nous tout croiser pour lui. Pour être nous, et nous-mêmes, et moi-même. Non! Non, mais où dit là, faut non le temps dans l'histoire, son affirmation, oui. T'as dit, est très grave, vous faites là, ça qu'il faut qu'a dit ça, M. Espérance. Pourquoi? Non, moi je dis ça parce que, sous Jovenel, des monde qui à côté lui, et qui n'en drogue. Et que, donc après exemple, il y a un monde qui réglait un pile bagaille privé pour Jovenel, nous sommes ici. Et citoyen ça qui au te prend haïtien américain qui est dié vinn prendre et là en Haïti et là vinn prendre là pour aller avec lui ou présenter lui etc. et puis après ça il collaborer avec dié et puis il était retourné en Haïti avant assassinat papa de monsieur et, Joseph on pas fin songe oui on pas songe non ouais il retourne en Haïti. Donc, et Jovenel pas fait un. Et puis, sous prend Dimitri Ra, qui s'alte vaut, et bon côté Jovenel, et qui, nan drogue. Donc, quand il y a là, si t'es gen lis, moun qui parle de lis là, et si t'es gen lis, Mathieu. Si tu as une liste, Jovenel pas capable en liste là. Pas un monde qui va le faire. Et Jovenel passe pour héros, même j'entends. Et n'a dit, par exemple, un monde quand on matin Moïse, n'importe qui, l'instruction qui a mené l'instruction avec sérénité. Et comportement dans le dossier ça, il n'est pas capable de pas questionner lui. Pour qui ça? Maintenant. T'es quoi autant d'elle déjà? Non, attendez là. C'est une blague. Et ça pas d'instruction qui a mené. Un bon exemple. Chaque fois, madame ça, lui parle sous dossier assassinat Marie-Li, lui dit un bagage différent. Et dernière fois, et nous t'étant délit, parler. C'est une interview qu'elle baille avec un média, une chaîne télévision et américaine, et en Floride. Côté que, elle a posé la question, combien de balles qu'elle te prend, et lui, c'est laissé à la compte, il est arrivé sur 8. Et puis tout, Maril fin mourir. Il connaît le comportement Gilles là. Il connaît qui s'agit là fait. Et il n'a pas jamais questionné le comportement Gilles là. Et ça, il voulait faire, c'est comme si. Madame n'a connaît pour moi-même, hein. Et l'ibo impression que madame n'a et ta connaît pour qui ça Marie mourit et puis qu'on y a cherché orienter et instruction, y a cherché orienter. L'icône pour qui ça Marie mourit d'après où? M'passe ça. Ma bon exemple. Le madame n'a pas pris soin aux États-Unis, lui parti le 7 juillet 2021. Il est retourné en Haïti 10 jours après, le 17 juillet 2021. Il est allé dans le cas là, le 18 juillet, avec le commissaire gouvernement qui était là, ministre de justice, et puis juge de paix greffier. Il est arrivé, première question il posait, et Rockefeller Vincent qui était ministre de justice, c'est ça. Il dit Rockefeller Vincent, qui l'a pas arrêté, Badjo. Magique 9, toute nouvelle. Qui l'a pas arrêté, Badjo. Et m'a rappelé. Joseph Philippe Badjo rentré Félix. Et il rentré dans caille Jovenel Moïse. Il vient avec un pick-up immédiatement après assassinat, ça veut dire que Palacios était fin informé que Jovenel et il tue Jovenel et on connaissait le groupe Palacios, c'est qui Palacios ça qui est le Delta et Colombie était regroupé et c'était quatre groupes et chaque groupe y a gagné 5. Et puis, c'est le groupe Palacio ça qui tue Jovenel, et c'est eux-mêmes qui font première photo cadavre là, et avec un téléphone. Et Badjo rentre dans Kaila, et les Badjo rentre dans Kaila, là, il prend un document avec l'argent, et
Martine pour quoi aller pas quoi aller l'hôpital. Toute nouvelle sans stress. Mais Martine connaît bagage ça yo. Et li connaît. Li connaît. Donc piga mon la peine et après Jovenel passer pour moi pour héros. Et non. Et Jovenel écoute tout lui représenter ça te représenter. Mais en même temps tout faut nous le monde qui paye pour crime. Faut que nous payer pour ça. Nous n'avons pas capable qu'on y a et yo et m'a dit nous jusqu'à et les Palacios avant Palacios aller devant la justice américaine autorité pas bon ici qui a protégé assassin yo qui a protégé moun ki nan crime là yo t'ai pensé toute bagarre qui réglé pour yo gen juge là mais yo bloqué enquête là au niveau des et des CPJ non bagarre yo changé journée aujourd'hui. En tout cas, n'a pas suivi. Merci oui pour temps ça va accorder nous passons bonne journée. Qu'est-ce que bonne journée. Merci. Voilà, n'a pas Pierre Espérance pendant d'parler avec Pierre Espérance, on connaît nous même pas ici là dans radio et concerné. Oui, nous parler avec juge Gary Aurélien. Nous m'a dit après tout ça et rendu de HP Espérance sorti sur lui là. Micro nous était ouvert pour lui. Eh ben bon, il dit il gagne obligation de réserve et il pas souhaité et réagir. OK. D'accord. Mais micro nous toujours été ouvert pour tout le monde était là.